Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon guide du 7ème étage de Pandemonium en mode sadique, le 3ème étage du purgatoire en mode sadique. Pour y accéder, il faut simplement avoir terminé le précédent étage. Vous avez d'ailleurs les guides qui sont déjà disponibles sur la chaîne pour ces derniers. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez voir ça un petit peu en live, je stream régulièrement sur Twitch. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, rejoindre le Discord si vous voulez parler de tout ça avec d'autres membres de la communauté. Et je sais que vous êtes très nombreux à regarder un peu ces vidéos guides, mais à ne pas être encore abonné, donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour ne pas manquer toutes les futures notifications de la chaîne. Et n'oubliez pas bien sûr aussi le petit j'aime, ça aide énormément pour le référencement de la vidéo et ça fait vraiment très plaisir. Donc on est parti. Alors bien sûr, comme pour tous les guides, il y aura un GDoc dans la description de la vidéo avec une description de toutes les habilités ainsi que l'ordre dans lequel il va les utiliser. En plus de ça, si vous avez des POV pour les prochains combats, n'hésitez pas à me les envoyer et on essaiera peut-être de les utiliser si on peut voir certaines mécaniques peut-être plus facilement dépendamment du rôle qu'on a. Donc on est parti. La première chose à savoir sur ce combat est que le boss va utiliser des attaques automatiques sur les joueurs numéro 1 et numéro 2 à l'aggro pendant tout le combat et c'est pourquoi les tanks devront toujours être premier et second à l'aggro et recevront d'ailleurs toujours des dégâts pendant le combat, donc faites très attention si vous êtes le heal. Ensuite, donc elle va utiliser directement au début du combat étincelle de vie qui va être son red buster qui va faire de gros dégâts sur tout le monde et qui en plus laissera un dot de saignement de 12 secondes, donc ici c'est bien de la mitigation et remonter le groupe. C'est une attaque qui va revenir beaucoup d'ailleurs pendant le combat, donc faites attention à chaque fois que ça arrive. Et après quoi, ça va être au tour de son tank buster qui sera donc soit extravent étendu, soit extravent concentré. Ça rappelle un petit peu le P6 en mode sadique justement. Il faudra utiliser des gros cooldowns et faire gaffe parce que dans tous les cas, ça laissera un dot devant sur chacun des tanks. Ensuite, en fonction du nom de l'habilité, il va y avoir des effets différents. Donc si c'est extravent étendu, alors là, les tanks devront s'éloigner l'un de l'autre parce qu'ils recevront chacun une AOE individuelle à prendre tout seul avec des gros CD. Si enfin c'est extravent concentré, les tanks vont rester paqués ensemble pour partager les dégâts du tank buster et pareil utiliser des gros CD, même si bien sûr ce dernier peut être pris avec un seul tank qui utilise la vue. On commence ensuite la vraie première mécanique du combat, lame d'Atis. Alors ici, 3 sets d'AOE vont apparaître et traverser la zone. Ça rappelle énormément les Exra Brasiers hein, pour ceux qui ont connu un petit peu ces mécaniques-là. En même temps, le boss va utiliser branche de vie et de mort qui non seulement va séparer la zone en 3 petites zones, mais en plus de ça, va faire des dégâts de proximité à partir du centre et il faudra s'éloigner donc soit sur la gauche, soit sur la droite, plus précisément sur la plateforme qui n'aura pas d'AOE devant au début pour éviter l'attaque suivante. Et après quoi, vous avez juste à attendre sur cette plateforme au nord. Dès que c'est passé, normalement aucune AOE devant ne devrait vous toucher. Le boss va commencer ensuite sa première phase de fruits de la vie qui va faire apparaître des fruits sur la zone hein, qui se transformeront en nades. Et pareil, ça va être repris énormément de fois avant dans le combat, donc vous pouvez déjà un peu commencer à prendre les symboles sur les fruits pour savoir un peu quelle arbre va pop. Donc ici pour le premier set, on aura sur l'une des plateformes un Yak qui fera une AOE circulaire sur toute la plateforme, donc cette plateforme là devient complètement inaccessible. Et enfin un oiseau, alors eux ils vont utiliser une AOE en ligne en phase 2 qui fera la taille du pont entier. Donc généralement quand un oiseau cible un pont, bah, on ne peut plus non plus traverser ce pont là, on ne peut plus vraiment le faire parce que sinon on se prendra donc cette attaque là. En même temps, le boss va utiliser Méga Miracle Démitéos, qui sera une AOE à partager sur les deux îles. Donc là, c'est le retour des deux groupes de 4 joueurs sur la même plateforme, parce qu'il n'y en aura qu'une seule. Vous pourrez utiliser donc les mêmes groupes, encore une fois, que sur le P5 et P6S. En même temps, le boss va utiliser Grande Branche d'Atis, qui revient d'ailleurs du mode normal, et qui va cibler le sud de la zone pour cette fois, pour faire une énorme attaque. Et c'est pourquoi on doit rester sur les plateformes de devant. Donc dès que les oiseaux pop, on regarde là où il y a un Cassolade qui a pop, on va sur la plateforme. Un groupe devant, un groupe derrière, on esquive toutes les AOE, on prend le cher et la mécanique est résolue. Beaucoup de ces attaques vont d'ailleurs être réutilisées dans le combat hein, pour d'autres mécaniques. Juste après ça, on aura un nouveau tank buster, donc soit extravent étendu, soit concentré. Et ensuite, une nouvelle étincelle de vie, donc son AOE sur tout le monde. Le boss va ensuite utiliser Tracé de Sigil, qui va faire apparaître 3 types de debuffs sur les joueurs. Alors les rôles auront toujours le même type de debuff et un chiffre apparaîtra sur les debuffs qui vous donnera l'ordre dans lequel ils vont exploser. Donc l'un des rôles aura d'abord un spread, puis l'autre aura le pack et ensuite ce sera l'inverse pour chacun des rôles. Donc Sigil devant sera là-haut en cercle sur nous et laisse un debuff et donc ici il faut bien être éloigné les uns des autres. Et à l'inverse, un seul joueur de chaque groupe de rôle aura Sigil sacré. Alors ici c'est une AOE en cercle à partager avec 3 autres joueurs et donc les joueurs du même rôle doivent être packés à ce moment-là lorsqu'elle s'apprête à exploser. Donc ici, le premier rôle qui ont le spread devront s'éloigner autour du groupe dans la plateforme au sud pendant que ceux qui ont le cher resteront au milieu pour partager les dégâts. En même temps, le boss va utiliser
labellisée Grande Branche d'Ati. Et ici, c'est le nord de la zone qui va être ciblée, donc on est obligé de rester sur la plateforme sud. Et une fois qu'elle aura touché le sol, en fait, des flèches vont apparaître et son bras va faire une attaque dans cette direction. Et donc, on est obligé d'aller sur la plateforme opposée. Et c'est là, justement, qu'on aura le deuxième set de debuffs qui va exploser. Donc, le premier groupe qui était en spread ira au centre de cette plateforme-là pour partager les dégâts. Tandis que le groupe qui avait partagé les dégâts, justement, au début de la mécanique, va se spread autour de ce cercle-là pour ne pas non plus partager les dégâts avec d'autres joueurs. Juste après ça, le boss va utiliser Racine d'Ati à nouveau et va détruire le pont au nord de la zone, donc il ne va pas être dessus. Ce sera suivi de tout son tank buster, donc extra vent étendu et concentré. Donc ici, vous avez comment gérer la mécanique et on arrive à une nouvelle phase de Fruits de la Vie. Donc ici, il va faire pop des oiseaux sur les trois plateformes et en plus de ça, il va utiliser Multisort qui fera donc à la fois Gigavent d'Emiteos qui va nous pousser depuis la plateforme du sud. Et donc ici, le plus simple, c'est vraiment d'utiliser le Stoïcisme ou Portée de Bras. En même temps, chaque joueur aura un miracle d'Emiteos, une AOE individuelle sur chaque joueur. Ici, il faudra se séparer entre deux plateformes, donc l'un des groupes sur une des plateformes de devant et l'autre groupe reste derrière. N'hésitez pas à utiliser les positions prédéfinies avant le début du combat. Et surtout, bah, n'oubliez pas le Stoïcisme ou Portée de Bras. Donc une fois que les AOE individuelles sont passées, que les oiseaux sont passés, le boss va utiliser Racine d'Ati et détruira les deux ponts restants. Les deux groupes devront être maintenant sur deux plateformes différentes. C'est très important parce que le boss va utiliser à nouveau Fruit de la Vie. Et ce coup-ci, un Yak va apparaître sur chacune des plateformes. Donc à ce moment-là, il ne faudra pas rester dessus. Et le boss va utiliser à nouveau Méga Miracle d'Emiteos, une AOE à partager sur les deux îles. Donc on attend que les ponts réapparaissent au centre de la zone. Et dès que c'est le cas, on se déplace directement dessus pour partager à la fois les dégâts, mais surtout éviter l'AOE du Yak. Et tout le groupe devrait être remonté. Hein. Ça demande pas mal de heal à ce moment-là. On retourne vite à la plateforme du sud parce que le boss va utiliser ensuite à nouveau Grande Branche d'Ati qui va faire une AOE sur les plateformes du devant. Et une fois que l'AOE est passée, ben encore une fois, regardez bien la flèche, allez sur la droite ou la gauche, dépendamment de où est-ce que le boss va cibler. Ce sera après un nouveau Tank Buster, donc soit étendu, soit concentré. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant de comment gérer cette mécanique-là. Et on arrive à la nouvelle phase de Fruits de la Vie avec un Yak sur une plateforme, un Minotaur sur le pont, et enfin deux Minotaurs sur les deux plateformes restantes. Qui seront liés donc à des joueurs. Alors pour commencer, le Yak va cibler 4 joueurs d'un même rôle avec des liens qui fera ensuite une AOE en ligne sur ces derniers. Et si c'est votre rôle qui est ciblé, vous allez directement sur la plateforme du Yak et il faudra se spread en fait du côté extérieur de la zone pour éviter de toucher les camarades avec son AOE qui sont en train de faire la mécanique du Minotaur. Les joueurs de l'autre groupe de rôle, eux, devront à la fois s'occuper des Minotaurs. Donc deux joueurs seront liés à deux Minotaurs sur les plateformes et ce sera une AOE de proximité qu'il fera sur nous et il faudra aller sur la plateforme de l'autre Minotaur derrière ce dernier pour à la fois ne cibler personne et en plus si vous êtes assez loin le lien va devenir violet, vous prendrez beaucoup moins de dégâts et vous pourrez survivre à cette attaque sans tuer vos camarades. Pour ce qui est du dernier Minotaur, celui au centre, il va cibler les deux joueurs les plus proches avec une AOE en cône et donc c'est pour ça que les joueurs qui n'ont rien, eux, devront attirer l'AOE à l'opposé de la plateforme du Yak et à l'opposé forcément des autres plateformes où se trouvent les Minotaurs puisqu'il y aura des joueurs qui vont encore une fois attirer les AOE. Donc dès que les AOE apparaissent, vous les évitez. Et normalement toutes les mécaniques arrivent en même temps et tout le monde devrait survivre si tout le monde est bien placé et vous avez survécu à cette attaque là. Après quoi on va avoir une nouvelle phase de lame d'Atis et de multisort. Donc ici elle est au centre de la zone, on a une AOE de vent qui va apparaître, qui va nous pousser et donc ici il va falloir se séparer en deux groupes différents. Donc l'un ira à l'arrière gauche tandis que l'autre ira à l'arrière droite pour le cher qui arrivera juste après s'être fait pousser. Donc on se fait pousser, on prend le cher et après pour éviter les AOE de vent on va devoir aller du côté nord-est ou nord-ouest en fait en longeant le bord de la zone hein. C'est les deux endroits qui ne seront pas touchés par les AOE de vent. Juste après ça il faudra s'éloigner parce que les tanks vont recevoir leur tank buster. Donc encore une fois vous gérez la mécanique exactement de la même façon que depuis le début du combat et on arrive à une nouvelle phase de Fruits de la Vie. Donc ici 4 oiseaux vont apparaître et se lier aux joueurs d'un même rôle et 4 tours vont apparaître et devront être prises par un joueur. Donc les joueurs qui sont liés devront aller le plus loin possible de leur oiseau et ne surtout pas oublier le Stoïcisme Portée de Bras. Ça permettra d'éviter de viser vers les tours des autres joueurs parce que ce sera une AOE en ligne qu'ils feront. Et pour ce qui est des tours, ben, le reste des joueurs qui n'ont pas de lien devront aller dans leur tour pour prendre
les dégâts, et ici on utilise encore une fois à peu près la même position spread hein, de base, et on ajuste en fonction de où les tours vont apparaître, après quoi la mécanique sera réussie. On aura une petite AOE étincelle de vie, encore une fois qui fait très très mal au groupe. On aura branche de vie et de la mort qui va à nouveau séparer la zone en 3. Donc ici encore une fois c'est une AOE de proximité, on va toujours du côté droit puisque ce coup-ci on a le choix. Et une fois que cette attaque-là sera passée, il va commencer une nouvelle phase de fruits de la vie, la cinquième. Ici, un ad va apparaître sur chacune des plateformes. Donc, on aura un yak et deux oiseaux. Donc, on ira toujours au nord ici, à l'opposé de la plateforme du yak. Le boss va ensuite utiliser tracé de sigils multiples, qui ressemble beaucoup à la précédente, sauf que ce coup-ci, il y aura 4 sets d'AOE. Et donc, 4 spreads au total et 4 AOE à partager. Lorsque le debuff explose, d'ailleurs, ils laisseront à partir de maintenant une énorme AOE qui explosera plus ou moins en même temps que l'explosion des debuffs suivants. Et ici, on va comme d'habitude utiliser les positions prédéfinies au début du combat. Donc si c'est un spread ou si c'est un share, on commencera toujours sur la plateforme à l'opposé du yak. Et donc on ira sur l'autre plateforme au nord et ainsi de suite pour à la fois se spread et prendre les AOE. Les AOE justement des ZAD n'auront lieu qu'au tout début, puis après on pourra librement se déplacer entre les plateformes. Et c'est comme ça qu'on évitera directement les explosions des précédentes AOE. Donc c'est une phase vraiment très intensive pour les heals. Donc encore une fois, vous prenez les AOE ou le spread, vous allez à la plateforme suivante, faites votre AOE ou le spread justement, et ainsi de suite 4 fois de suite. Le boss fera d'ailleurs quelques AOE entre temps. Et n'oublie pas surtout à la fin, après la dernière fois qu'il y avait des AOE ou des spreads, vous devez aller sur l'autre plateforme parce que la mécanique n'est pas encore finie, elle risque des dernières explosions qui vont arriver. Et si vous êtes bien placé, normalement personne ne devrait être mort et vous aurez survécu à cette mécanique là. Et juste après quoi, il va commencer directement une phase de fruits de la vie, donc la numéro 6. Et ici, deux oiseaux sur deux plateformes différentes vont apparaître. Donc il y aura forcément une plateforme au nord qui sera libre, sans réfléchir, aller directement sur la plateforme vide, puisque le boss va utiliser racine d'Atis et détruire le pont entre les plateformes. En même temps, le boss va utiliser chatoiement d'Emiteos, qui va faire apparaître des AOE sous le pied de tous les joueurs qui vont les poursuivre. Et ici, il faudra regarder quel oiseau ne vise pas le groupe pour traverser le pont qui n'aura pas d'AOE par un des oiseaux. Et dès que le pont est apparu, aller directement sur la plateforme opposée et vraiment le plus loin possible pour ne pas se prendre les dégâts du chatoiement. Après quoi, il va commencer son attaque suivante qui est bourdonnement de vie féroce. C'est là où les grosses mécaniques commencent. Donc déjà deux Minotaures sans lien vont apparaître sur une plateforme, et les deux autres plateformes auront chacune d'entre elles deux Minotaures avec un lien et un oiseau. Alors ici les joueurs devront directement aller sur la plateforme qui n'a que deux fruits. C'est plus simple ensuite pour se déplacer. Les joueurs qui n'ont pas de lien devront se mettre entre les deux Minotaures du côté extérieur pour attirer l'attaque, pour qu'elle vise vers l'extérieur justement de la zone. Et c'est très important que dès que l'AOE apparaît, d'aller directement du côté du pont justement, mais pas en traversant le pont, puisqu'il y aura les AOE en ligne des oiseaux qui vont apparaître en même temps. Pour ce qui est des personnes qui vont être liées, alors c'est plus ou moins comme tout à l'heure, il faudra aller sur la plateforme opposée derrière les autres Minotaures liés. Donc ici, essayer de croiser les liens si possible et d'avoir vraiment deux joueurs qui se trouvent à l'opposé l'un de l'autre sur chacune des plateformes pour être sûr qu'on ne se fasse pas toucher par deux attaques de Minotaures en même temps. Et normalement, si tout est bien fait, toutes les mécaniques arriveront encore une fois en même temps. Et vous avez clairement placé l'une des mécaniques les plus compliquées du combat. Donc la grosse mécanique suivante sera le bourgeonnement de vie féroce. Alors ici, le boss va faire apparaître encore une fois plein d'ads. Vous remarquerez que sur l'une des plateformes, il y aura un yak. Sur les autres, il y aura un oiseau sur chacune d'entre elles. Et sur les ponts, en fait, on va avoir deux yaks qui vont apparaître, qui vont se lier à tous les joueurs. Donc ici, pour éviter les ponts qui auront les oiseaux. Normalement, ici, il faut se spread sur les deux plateformes côté opposé du pont de votre yak. Et cependant, vous avez le choix ici, parce que vous pouvez soit faire cette strat, qui est normalement la strat legit, qui est la strat qu'on est censé faire de base, mais il y a aussi une autre stratégie où on peut packer directement les tanks ensemble sur le pont où il n'y a pas d'oiseau, collé au yak en fait, et ils utiliseront l'invincible pour ne pas mourir par les deux attaques du yak. Et à ce moment là le gros avantage de faire cette stratégie là c'est que vous avez des positions fixes, peu importe où on pop les oiseaux ou les yaks sur les points. Il faut juste imaginer que la zone où se trouve le yak sera le nord de la zone, et vous vous placez en fait exactement comme le schéma que je vous ai mis à l'écran. Normalement, j'ai essayé de vous faire deux petits schémas pour représenter les deux mécaniques. Donc c'est vraiment de faire la deuxième avec l'invu, parce que c'est vraiment beaucoup plus simple, hein, y a même pas à réfléchir. Juste après quoi, dernière grosse mécanique du combat, donc on aura le bourgeonnement de vie chaotique. Alors ici on aura un yak sur une des plateformes,
un oiseau sur chacune des deux autres plateformes et enfin deux minotaures sur les deux ponts. Alors ici c'est pareil, il y a plein de façons de réussir cette mécanique. Pour le yak c'est exactement comme les précédents. On se spread du côté extérieur de la zone pour ne pas toucher les copains. Alors ici vous pouvez avoir une attaque de minotaures sur chacune des deux plateformes restantes. Nous à la fin on a fini par la placer sur la même plateforme, mais c'est vraiment à vous de choisir, hein. Dans les deux cas ça fonctionne. Pour ce qui est des oiseaux, bah, il faut faire gaffe de ne pas être dans la roue d'un minotaure, être proche du côté extérieur de votre zone, utilisez bien le stoïcisme porté de bras et encore une fois visez bien vers l'extérieur pour ne pas tuer les copains avec votre attaque. Pareil, je vais essayer de vous mettre un schéma, mais n'hésitez pas si vous trouvez que certaines façons de faire sont peut-être plus simples ou que vous êtes plus à l'aise avec, n'hésitez pas à les faire de cette façon là. Et c'est vraiment la dernière grosse mécanique du combat. Juste après ça il va utiliser l'étincelle de vie qui est là où est sur tout le monde, donc il s'est remonté bien le groupe, surtout après tous les dégâts qu'il y a eu jusqu'à présent. Méga miracle d'Emiteos sera encore une fois les deux chairs sur les deux îles, donc vous faites les deux groupes sur la plateforme du sud, un à droite et un à gauche. Ensuite il va utiliser à nouveau grande branche d'Ati numéro 2. Vous attendez dans la plateforme sud, vous regardez où va avoir lieu son AOE et vous allez sur la plateforme opposée. Après ça on a à nouveau des étincelles de vie jusqu'à arriver à l'enrage du combat, et si vous arrivez à vaincre le DPS check, félicitations, vous avez terminé le 7ème étage de Pandemonium en mode sadique. Et voilà, c'est tout pour ce guide les amis, j'espère qu'il vous a fait plaisir. Clairement un combat peut-être pas aussi fun que le Proto Phoenix, je sais pas. C'est vrai que pour la plupart des combats ils sont tous clairement supérieurs au premier, mais celui-là je le trouve quand même un petit peu en dessous du Proto Phoenix. En tout cas il ne reste plus qu'un seul combat à faire, le 4ème qu'on fait en live d'ailleurs, donc n'hésitez pas à venir et dont j'essaierai de vous proposer des vidéos très prochainement. En tout cas n'hésitez pas bien sûr à laisser le j'aime, ça aide énormément la chaîne pour le référencement, le petit commentaire, à vous abonner, activer la cloche, et on se retrouve donc très bientôt donc pour d'autres vidéos, d'autres guides. Il y a la live letter qui arrive bientôt, plein de choses. Je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.